Voilà. Ok les amis, vous avez voté quoi alors? Ça donne quoi cette petite prédiction? Vous avez mis moins de 5 tries, majoritairement. Ah ouais. Non, jamais de solo Odyssée sur Ombre. En fait, c'est incompatible. Solo Odyssée, c'est du solotage et le solotage, c'est forcément retry. Des fois, tu retry juste parce que t'aimes pas le placement. Les gars, je me souviens plus du tout du combat. Oula, il n'y a même pas de phase de... Waouh. Alors attendez, va falloir faire attention. État sang, état sœur. Ok, état sel. Et ça, c'est tous les 10 tours. Je me souviens plus. J'aurais dû prendre le temps quand même de check. C'est lui là qui va mettre en premier. Et du coup, lui, ce qu'il peut, c'est mettre là, si je me trompe pas. Non? Alors attends. Il n'y a pas de soin à Dofus là. État 100. État 100, c'est là. Donc il va mettre un truc dans mon dos, on est d'accord. Lui là. Il va le mettre là, ou alors justement c'est l'inverse, il veut mettre là. Si c'était lui, il aurait voulu mettre dans le mur, il pourrait pas. Si c'était lui, il aurait voulu mettre ici. Donc techniquement, lui là, il veut mettre devant moi, celui qui est là. J'essaie de me souvenir. C'est ça. Donc le prochain, c'est l'état or. Donc là, il va vouloir mettre là. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est déplacement rapide. Voilà. Ça, il peut pas. Ok. Très bien. Donc là, c'est... État à 100. Donc c'est bon, on pourra pas. État sel. Dans mon dos, ça me va. Je devrais regarder deux tours à l'avance quand même, faire gaffe. Donc là c'est état 100, donc c'est devant moi. Et ensuite c'est quoi? C'est état or. On peut faire ça et grâce à ça pousser, mais on va pousser et attendre. C'est quoi ce nouveau spell, la placidité? Je me souviens pas qu'il y avait ça avant. Je me trompe pas, là c'est état or et état or il est là. Donc là il va vouloir invoquer dans le mur et ensuite état or c'est état 100. État 100 il est là-bas. Donc il va pas pouvoir invoquer sauf dans mon dos. Donc on va rester ici un tour. Il invoque dans le mur. Moins 1, voilà. Si je me trompe pas, du coup l'état 100 ça va être dans mon dos. État or. Pour le mur. Et Rashkit, c'est là. Voilà. État 100, ça va être devant moi. Et ensuite, le prochain, c'est état sel. Tac, il va mettre là. Ensuite, il va mettre dans mon dos. Ça va, c'est cool. Voilà, là. Donc, état sel dans mon dos. État 100 devant moi. Très bien. Ça semble bien devant moi. Et ce spell-là, il permet de faire rota. Il enlève un tour de relance à tous mes spells, j'imagine. Visiblement, il change tout. Oui, t'as celle. Celle, ça va être devant moi. Ok, je n'ai pas le choix. Je passe ça. Coucou, Goyalon. On est sur la quête du Dofus pourpre. État or. État or, ça va être là, donc il pourra rien faire. Et état 100, ça va être dans mon dos de toute façon. Je m'en fiche. Bah ça, et plus la rotation d'Arcane. Ça, plus la rotation de ces trucs. En gros, je crois que si je veux placidité, j'enlève or et je passe direct à sel. En gros. Bon, du coup, là, il y a or. Or, il va vouloir mettre devant moi. Mais je récupère le sort pour pousser. Il faudrait que je rota parce que du coup, celle... Voilà, par exemple, là, je vais le rota. Alors, ça n'a pas du tout fait ce que je pensais. Ah non, c'est un tour de relance sur chaque spell. Hein. Ah mais non, en fait, je plante.
me fait fumer là. Ah, je suis bloqué là. On est d'accord que ils se dopent ou pas les machins. Ça veut dire que si je le pousse contre un mur, ça le one-shot pas. Sans dommage. Donc là, la suite, c'est étincelle. On va attendre. Bon, bah, on va voir, mais je pense que c'est mort, du coup. État or. Hop. On va accélérer le fight. État 100. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un. Techniquement, c'est pas mort. Mais bon. D'accord. Placidité. Tassel. On est sur le tout premier try, hein, donc si on meurt, c'est normal. Enfin, c'est normal. On n'est pas sur ombre. Hein. La prochaine, c'est étincelle, ça, étincelle. Non, c'est étincelle le prochain. Donc ça va être dans mon dos. Par contre, le prochain après, c'est étincelle. Donc là, si je monte là, je me ferme. Si je vais là, je me ferme pas. Et le sang après, faut que j'aille là et que j'attende deux tours. Là ici, plus le tour prochain, je dois passer. Là par exemple, le sang il est là, il va vouloir invoquer là, et la suite c'est or. Or ça voudra invoquer là, donc je dois attendre un tour. Ah, tous les combats de quête, si tu les perds Arthès sur Ombre, c'est mort. C'est pour ça que les Dofus valent très très cher là-bas. Ok, état or c'est contre le mur, donc tout va bien. Et étincelle sera contre le mur, et le prochain après sera encore or, donc encore contre le mur. Et ensuite ce sera sel, donc encore, c'est bon, on est bien. Là, on a que des côtés, là. Là, on est sel. Nice. Ici, on a or, comme prévu. Voilà. Ah non, ça sera pas du tout bien. Le or, finalement, il se déplace, donc du coup, il est devant. Il sera là, le truc. Ensuite, la suite, c'est sel, potentiellement. Potentiellement troué, là. Ok. Donc, il met un coffre ici. Enfin, un mur. Le sel, il me met un mur devant, là. Et que je bouffe deux murs. Soit j'avance. Et je sais que ça va fermer, mais je pourrais au moins pousser avec décalage. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Pas grave, ça. Et là, le next, c'est état 100. Voilà. Le next après état 100, c'est état or. On ne craint rien. Voilà, état or dans le mur, ensuite c'est étincelle dans le mur. Bien là. On va garder l'axel pour un moment. Ouais, le Bolgrot, il doit se régaler hein, sur ombre. Après, le Bolgrot, ça va, ça se first try plus facilement, je trouve. Il y a moins d'aléatoires, parce que je crois pas que ça soit une rota. Ouais, c'est pas un schéma fixe. Étincelle. Donc, si j'avance là, il n'y a rien à craindre. Le prochain, c'est celle, ça sera devant moi, donc il faudra peut-être que j'accélère. Ici, il y a de l'aléatoire sur l'ordre de spawn, tu vois. Alors que le Bolgrot, bon. Je trouve que c'est pas très aléatoire. Hein. C'est juste un coup de vision. Ouais. Après, je dis pas, hein, ça veut pas dire qu'ici, tu peux fatalement mourir. Hein. C'est différent. Je pense que si t'es bon au jeu, tu peux ne jamais mourir hein, sur ce trail. État sel. Sel, c'est où? C'est devant moi. Si j'accélère pas, il va me fermer. Voilà. Sel, ensuite 100. Ça, ça sera dans mon dos. Ensuite, or, techniquement, ce sera bon. Franchement, moi, je trouve le Bolgrot plus simple. Après, je trouve pas vraiment que les deux soient très compliqués. Enfin, j'aime pas dire ça. J'ai eu horreur de ça quand j'étais dans ces quêtes-là, quand c'était les premières fois que je les faisais, j'avais horreur d'entendre les gens dire « Ouais, mais c'est pas dur !» Frère, quand t'y arrives pas et que t'entends quelqu'un qui dit « C'est pas dur », ça énerve de fou.
État or. Vas-y. Or. Sang. Ouh, le sang, il va m'embêter. Ah là 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 là. Comment qu'on fait? Faut peut-être même que je revienne en arrière. Le sang, il invoque devant moi. Mais ensuite, c'est quoi? Attends, c'est 102 fois. On va devoir revenir là. Tant pis. Invoque dans le mur. Et là, c'est 100 dans mon dos. Ça va. Next, c'est celle. Franchement, on a une petite ligne droite, là. Je vois pas trop... Il va se passer, le sel est contre le mur. Ici, on a l'état or qui est contre le mur. Après, or, ce sera sel. Franchement, là, c'est ligne droite. Hein. GG wellplay, non? Le chat. État sel. Et état sœur. Voilà. Peut-être que je me fourvoie et que c'est plus simple encore, ouais. Non, franchement, j'adore les combats comme ça. Mais bon, on va pas se mentir que celui-là, je pense que ça fait partie des plus simples quand même.